Considère ça comme ton initiation. Ta mission, si tu l'acceptes, est de contourner la sécurité à l'entrée des locaux de Bloom, d'entrer et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais. On t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est, il est entré. Quoi, déjà ? Il répond pas, je sais pas. Non, aucune idée. Non, 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 c'est un synonyme, ça. Je veux une vraie réponse. Oh, c'est pas mon truc, les extraterrestres. Hey, les jeux vidéo non plus. C'est pas n'importe quel alien, merde. C'est... Quelqu'un d'autre a un problème avec ça ? Ah non, pas ça ! On te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas.
son histoire? Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non, son histoire, c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DedSec et qu'il est plutôt doué. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté maximale jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CityOS. Je veux voir s'il est malin, têtu ou les deux. Il a déjà fait ça, on dirait. Le CityOS l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors... Il a été en cabane? Juste des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CityOS. Mais une fois dans l'engrenage... Toujours surveillé. Je crois qu'il était dans le coin. J'ai perdu. Wow. Il a tenté le coup. Il n'aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. Dans le four, là? Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Alors là, respect. Il a peur de rien. Dans le système. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Thank you.
Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? C'est quoi ces conneries? Ou alors, j'ai qu'à... Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom, on n'a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yep. Ethan est à terre. On a un intrus. Verrouillez toutes les issues et faites venir quelqu'un pour Ethan. Dans ton cul, Bloom! En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ces serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de points de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger ?
ou les derniers défenseurs de la liberté. Alors ? Je suis pris ? Bienvenue chez DeadSec. Moi, c'est Citara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce ? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prosper. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi ? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CityOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe ouais. quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein ? Ils voient tout ce que tu fais et ils te dénoncent. Merci, Josh. Alors, on fait quoi ? On peut l'exploser, ils foutent le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance. Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement, ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi ? On va les baiser ! On est des putains de hackers, on a le cerveau, on a les balls. Faut qu'on dise la vérité aux gens, il faut qu'on leur montre ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde ! J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi ? Il a installé une backdoor. Du coup, on n'a plus qu'à entrer. Tout juste. Excusez-moi. Vous avez l'heure ? C'est bon, ça. Il est quand même un peu tard pour courir, non ? Tu fais quoi ? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça ? Peut-être que j'en suis, hein. Eh, hey, mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non ? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça ! Dans ton cul, Bloom ! C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. Qui, ce téléphone ? Ben, maintenant, il est à toi. Et le mien à moi, il est où ? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncée. On se retrouve à Hacker Space. Où ça ? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver. Bon, allez, réveille-toi, putain. Cause I could never make you happy. No, I couldn't let you. Only wish
Merde. J'étais torché, c'est ça? C'est rien de le dire, mon ami. Va t'acheter des fringues, je te dirai où aller après. Ah, et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Yeah.
Fais gaffe! Eh ben merde! Tu t'es lavé dans une fosse sceptique ou quoi? Enfin, surtout une arnaque. Ces gens, ils essaient de te rentrer dans la tête. C'est bon, Citara. Je vais où maintenant? Je t'envoie ça sur ton portable. Et le code d'entrée pour la porte. Enfin. Bon, bah j'ai discuté avec Josh, il se trouve que ça faisait longtemps qu'on voulait s'attaquer à Bloom. Bon alors, il nous faut deux choses pour qu'on se fasse Bloom. Des gens qui soutiennent notre cause, histoire qu'on nous prenne pas trop pour des trolls. Et aussi des bots, un max de bots pour gérer les données traitées par le CityOS. Ouais, merci Josh. On a passé la nuit à modifier notre app pour que les followers puissent la télécharger et que nous, on puisse utiliser leur puissance de calcul. Et donc on le fait, on va vraiment le faire. Mais ouais, carrément. Allez, vas-y, on bosse là. Ouais, c'est clair. Les barbares sont aux portes de Rome, prêts à saccager la ville. On va organiser des opérations ciblées pour obtenir de la visibilité et faire marrer les gens. Comme ça, les gens ils vont télécharger notre appli. Ça marche. Allez, t'en fais pas, on va commencer par un truc fun.
Marcus, t'es vivant! Et tout sec? J'avais des doutes après ton bain de minuit. Allez, viens, faut que tu vois ça. Tada! Notre app de recherche propriétaire en open source. Donc, nous tous, on y rassemble toutes les vulnérabilités qu'on trouve, et on encourage les gens à partager leurs travaux, leurs recherches, etc. Tu vois le genre? Ok. Et elle fait quoi de beau, cette application? On devient plus efficace, irrésistible, et toutes les meufs veulent sortir avec nous. Attends, c'est le genre, tu te branches et paf, tu connais le kung-fu? Si le kung-fu était une meuf et pas une référence des années 90, ouais, carrément. Regardez-moi cette merveille de technologie. Une imprimante 3D? Mec, ça c'est la Crosberta des imprimantes. Elle est capable d'écracher un arsenal complet d'armes dévastatrices. Ah! T'es sérieux? Yep. Une fois que tu sais t'en servir, bim! Un vrai hipster trafiquant d'armes. Génial, sauf que je suis pas un hipster. T'essaies de convaincre qui, là? Allez, vas-y, essaie. Mais tu fais pas tout sauter, hein? Je suis content de voir un frangin ici. Et moi, je suis content d'être là. Vous êtes tous des hackers? Bah ouais, c'est un peu la base pour être dans un hackerspace. Mais bon, on a tous notre domaine. Par exemple, Josh, là, il fabrique tout le temps des trucs qui devraient pas marcher. En ce moment, il construit un drone de ouf. Et Range? Lui, c'est un bon ingénieur aussi. Mais il est plutôt branché déconstruction, tu vois. Et Citara, elle, c'est notre artiste et une graphiste. Sans elle, DeadSec ressemble à rien. Pas de son, pas d'image. Et toi alors, c'est quoi ton super pouvoir? Coordinateur tactique. Et sinon, j'aime les chats aussi. J'oriente DeadSec là où ça aura le plus d'impact. Primate, ça te dit quelque chose? Je commence à en avoir marre de ces hackers tout nazes. Ouais, je me suis déjà tapé contre eux. J'ai pas peur de recommencer. Ah, ça c'est cool! Recontacte-moi quand tu seras prêt à passer à l'action et je te dirai à quoi je pense. Vu qu'il y a régulièrement de nouvelles opérations contre Primate, tu pourras te rendre utile.
Alors, qu'est-ce que t'en dis? Franchement, là, je suis bluffé. Avant, on s'en servait pour afficher les flux d'actualité. Mais maintenant, c'est notre mur de followers. Donc il sait si on est trending topic? Non, non, non. Il utilise des chiffres réels. Combien de gens ont téléchargé notre app? À combien de puissance de calcul on a accès? Ce genre de truc. Cool. Ah tiens, pendant qu'on y est, l'application DeadSec est en cours de téléchargement sur ton téléphone. Alors quand ce sera fini, tu l'ouvres, tu cliques sur l'opération suggérée et tu vas au parc à côté pour la tester. Ok, cool. Encore une chose. J'ai mis un rappel sur ton téléphone pour pas que t'oublies notre objectif. Obtenir assez de puissance de calcul pour se faire Bloom. L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Oakland, Miranda Comey, de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, « une vaste escroquerie organisée ». L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. La vie privée de la conseillère a récemment été exposée à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comey de chercher désespérément à attirer l'attention. Le téléchargement est fini et je suis au parc. Je teste quoi? Profile tout ce que t'as autour de toi. Les gens, les appareils. Vois ce que tu peux en tirer. Ça nous aide à préparer nos opérations et c'est en réalisant des opérations importantes aux yeux des gens qu'on les fait s'intéresser à DeadSec. Plus on a de followers qui téléchargent notre app, plus on récupère d'infos. C'est le cycle de la vie. Oh, et vois si tu peux nous trouver des composants pour nos recherches. Trafiquant d'armes. Cette app est un outil de data mining, une solution de collecte d'informations hautement sophistiquée. Hipster! Ok, c'est bon, j'ai pigé. Bon, et maintenant? C'est toi qui vois, mec. T'es libre de faire tout ce qui t'intéresse. Les opérations qu'on publie sur l'appli DeadSec nous aident à obtenir des followers. Et les followers, c'est notre carburant. Plus on en a, plus on accède à des ordinateurs, donc à de la puissance de calcul. Et on peut monter des opérations de plus grande envergure. Hey, salut! C'est quoi le délire avec Bobo Dax? Tu sais que Bobo travaille sur un nouvel album, non? Ouais, et alors? Eh ben, tu n'entendras jamais cet album! L'autre bâtard de Gene Carcani a balancé des millions pour le garder juste pour lui! Pourquoi le PDG d'un empire pharmaceutique veut un album de rap? Attends, le mec, il a une collecte d'albums de Bobo monstrueuse! Il veut sûrement mettre le nouveau sur un mur en mode trophée! C'est juste le pouvoir de l'argent, mec! Et tu sais si Bobo a accepté le deal? Il a rien annoncé encore! Mais il va le faire, c'est une tonne de cash. Alors, on a peut-être encore le temps de faire quelque chose. Le temps de quoi? Ouais, c'est bon. Vous avez déjà entendu parler de Gene Carcani? Ouais, c'est le merdeux qui est passé à la télé l'autre jour. Il se marrait en disant qu'il allait augmenter le prix du traitement contre la leucémie. Ouais, l'homme le plus détesté d'Amérique. Mais pourquoi tu demandes? C'est un grand fan de Bobo Dax. Il a appris que Bobo était en ville pour enregistrer de nouveaux morceaux et il offre plusieurs millions pour garder l'album rien que pour lui. Mais c'est tellement débile. Bobo acceptera jamais un truc pareil. Le vrai Bobo, non. Mais on va accepter à sa place.
Je vais aller le voir et demander si je peux pas emprunter quelques-uns de ses morceaux pour renforcer notre crédibilité. Et Karkani, on le contacte comment? Passer en revue toutes les interviews de Bobo, ses podcasts. Trouvez-moi des phrases qu'on peut sampler, histoire de faire un joli montage. Ça va me plaire. Rétro, on a un mec de Primate qui fout la merde dans toute la ville. Ah, c'est moche. Et les flics pour rien? Ils essaient, mais tu veux pas leur montrer comment on fait? Hey Marcus, tout le monde? La bande-annonce de Cyberdriver est en ligne. Ah yes, trop cool! Hey, vous m'attendez pour la regarder, hein? On se voit à 15 Space. J'arrive tout de suite. Personne n'a jamais entendu. Ça avance comment, le montage? Yo! Moi, c'est Bobo Dx, bitch! Parfait! Et du coup, Karkani, comment on le contacte? Je vais faire un tour à sa villa. Il faut que je voie sa tronche quand on va passer à l'action! Allez, on va jouer avec le pharma connard. Ouais, il l'aura bien mérité. Allô ? Yo, qui c'est? Wesh, cousin, c'est Bobo Dx. Oh putain, je suis votre plus grand fan, vous avez réfléchi à ma proposition? J'ai écrit de nouveaux morceaux, ouais. Ah ouais? C'est trop bon. Wesh. Vous pouvez me faire une démo? Magnifique, lunatique, historique, Jean, historique. Ton style pété, tu seras pas l'alpha de cette histoire. On n'a pas le droit à ton heure de gloire. Ça fait cher, mais dis bien que c'est Bobo. Putain, c'est puissant. C'est votre meilleur morceau. Moi, dans rien. Et c'est une exclue, hein? Rien que pour moi, personne d'autre l'aura. Wesh. Comment on fait pour la thune? Be
est chillé où, mon fric? Je l'ai. Dites-moi juste comment le transférer. Yo, check ça. Ah, voilà. C'est le numéro de compte? Wesh. Envoyé et confirmé. C'est bon. C'est génial, c'est trop le plus beau jour de ma vie, truc de ouf. Wesh, cousin, c'est Bobo Dex. Quoi? On dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu s'est créé à l'image de Bobo Dex. Et de quoi tu parles, là? Wesh, cousin, c'est Bobo Dex. Non. Non. Non, 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 non. Ah! C'est quoi cette merde? Dead Sec? Hein? Putain, allez, pourquoi moi, les gars? Pourquoi, hein? Je suis un gentil sérieux. Putain, c'est que du business. Mes actionnaires attendent des résultats, quoi. Les gars, il vient de donner 20 millions pour la recherche contre la leucémie. Bitch, il est où, mon fric? Le troll ultime, putain. Have you considered laser eye surgery? The Laser Eye Corrective Center is staffed with the top experts in the field. For the last 15 years... C'est moi. Tout est parti en couille après, c'est dingue.